fait, tout simplement, on avait eu l'idée à l'époque de faire quelque chose pour ceux qui ne partent pas en vacances sur les plages. Alors, il existait plein de choses sur les plages, et puis nous, on s'est dit, on va faire quelque chose pour les enfants qui n'ont pas l'occasion de partir, alors qu'ils sont ici, comme ici, par exemple, en centre aéré, etc., mais de les rapprocher du football, ou surtout le football qui venait vers eux. Donc, on est parti sur cette idée. Ici, c'est magnifique, parce que j'étais accueilli par l'adjointe au sport, qui me dit, ah ben nous, on voulait absolument que vous reveniez, il y a des enfants qui se souvenaient de l'année dernière, qui avaient envie de revenir. Donc voilà, on est dans notre mission de donner du plaisir avec le foot. Donc on est très très heureux de ça. Et aux quatre coins de la Ligue des Pays de la Loire avec différentes étapes. Alors effectivement, quatre coins des territoires, toujours à l'intérieur des territoires. Voilà, c'est la fête, c'est une autre image du football, c'est la proximité, donner du plaisir aux enfants, c'est ce qu'il y a de plus formidable. L'autre volet de notre tournée événementielle, c'est une nouveauté cette année. Pareil, là, une idée lors d'une rencontre avec nos amis de la Fédération Française de Footnet, il y a quelques mois en arrière, il y a plus d'un an même, est né le Footnet Tour. Il y a également une tournée un peu différente, mais dans l'esprit peut-être similaire. Voilà, alors effectivement, cette idée aussi, donc on est créatif et on est heureux de l'être. Il s'agit surtout de partir sur les nouvelles pratiques. Aujourd'hui, donc, tout le monde connaît le football, le foot à 11, le foot à 8, le foot des jeunes, les féminines. Mais aujourd'hui, on a plein de nouvelles pratiques. Alors eux, le Footnet, c'est une fédération affinitaire qui va certainement rentrer aujourd'hui dans la Fédération Française de Football. Le Footnet, c'est le tennis-ballon. On a tous joué au tennis-ballon. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une forme ludique, aussi compétitive, qui va rentrer dans le cadre de la fédération. Et on voulait faire le retour au football à travers ça. Alors, le Footnet, c'est un petit peu ce qui accroche, mais à côté de ça, on développe le foot en marchant, le fit foot, toutes ces nouvelles pratiques vers aussi d'autres publics. Donc effectivement, les plus anciens, parfois, mais aussi le sport handicap et le sport adapté. Le handisport et le sport adapté, donc c'est effectivement tous les publics qui doivent venir. Allez, contre les pas qu'il doit venir, nous le football on doit aller vers eux. On continue donc sur la Roche-sur-Yon samedi, dimanche aux machines de Lille à Nantes, et on terminera sur la Saint-Nazaire sur la plage et Saint-Jean-de-Mont aussi sur la plage. Donc une tournée originale, nouvelle, et puis c'est à la fois la relance du foot et puis aussi ce créneau de dire que le football c'est la santé. Donc tout public pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire différentes formes de foot et s'entretenir. Didier, les vacances arrivent, là, on est en vacances d'été. Un mot, un dernier mot adressé au club, dirigeants, éducateurs, éducatrices, joueurs, parents. Voilà, c'était galère cette saison. On relance, on revient. Un message peut-être à l'adresser. De toute manière, ce qu'il faut toujours dire, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut remercier nos dirigeants de club parce qu'ils n'ont rien lâché, ils ont continué. Ils ont continué à mettre de la vie dans leur club. Donc ça, c'est essentiel. Alors effectivement, aujourd'hui, on a quelque chose de très positif. On voit les licenciés qui reviennent, en particulier les très jeunes. On est sur une très bonne dynamique. On espère que ça va pouvoir continuer et puis qu'on se retrouve tous à partir de fin août, début septembre sur les terrains pour de la compétition et sur toute une saison. Très bien. Bel été à vous. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Au